تزورا مدنيني أسرة منون نفقانو كنس كل يوم بنسيت مدام سياسي الوداسي مدام شفي سي سونتر البخلفة دكتور عنان سي شيف دو سيرفيس لا بسيكاتري الوداسي les deux directrices, les écoles primaires, Thérèse Mahmoud et la cité à Garadj, Monsieur Smaïl Ben Hamna, le service social, la PO Tizi Ouzou, les psychologues et les orthophonistes, Natiahia Moussa, les membres de l'association et la directrice et la chargée pédagogique, le centre de Mathqa. Et la légende du sport, on est né au Kassel Manoun, on a fait ça, on a fait ça, la journée, on a fait ça, et on a fait ça. Le 21 mars de chaque année, à Flatrisme 21, donc le centre Nara Kentoualem, c'est une association des parents des enfants de la Wilaye de Tizi Ouzou, en Smaïl Sitheran, créée en 2018 sur l'agrément de 296. Donc, l'association qui est créée pour la prise en charge orthophonique, psychologique et éducative pour les enfants trisomiques autistes et retard mental de la région qui est Mathqa et les régions des îles. Et donc, l'association qui, on a décidé de créer l'association qui pour créer un centre psychopédagogique proximité de Warachaki et de Nikarven. Donc, l'association de Kumasir Khadishinis, de décembre 2018, nous avons une journée de sensibilisation de Kidid Mathqa sur l'autisme. Nous avons une journée de la région avec les associations spécialisées de Chouraki. Kumasir Khadish en 2018. Donc, après, il y a des excursions avec des activités sportives. Donc, en janvier 2019, nous commençons la prise en charge de 30 barres de la région de Mathqa et de Thermithin. Donc, il y a des au niveau de la Socrathinin, une école privée, une Sahraï de Kéarachiné. En plus, nous avons donné de Thermithin, de l'école primaire de Sinaoui Ali. Donc, nous avons donné à Rachardina, Karandina. بعد الاسوسياسيون هذاني كيف كيف تسليبري لي جورني لي فيت ناسيونال ناشو باغ اكزومبل 8 مارس دونك ذاكي او نيفو الماثقا نادي ثيرميثين اكيد لي كوميتي دو فيلاج نا اكيد لي زورغانيزم ديتا او نيفو دو سي ال اس نا او نيفو لي زورغانيزم ديتا رادن دي شوراكي سي 2019 سي اكتوبر 2019 على ساكي انت لو سوفي دكا غاراج دونك شاك اني يرنون دو ورش هذاكي دونك نسوض اكتويلمون 91 لي زونفون أني ذا نساع 58 سيدي جارسون 38 سيدي في 91 كي نساع ثيرميثين نساع المعاثقة نساع سوق الاثنين نساع إفرخوخن نساع بنيز منزار نساع عمشراس نساع فورني أثار ذي المومن اكتوال مو ذاني لان خلا غدا سن سقواضيين دونك لو سونتر كي نا يسكد سوق الاثنين لا ريجون سوق الاثنين زينس دوك لي ريجون كي نظن دونك تسن دوك لي ان بو بارتو ارذاك ورنا دونك لي زاتولي نساع l'atelier de la poterie pour les enfants de plus de 18 ans, c'est le Nsar Nawardia, c'est la poterie. Nsar, le jardinage, actuellement, le professionnel thérapeutique, il est dans le centre, Nsar, l'administration, la cantine. Donc, ok, le résumé, l'association là, on dit n'importe quoi. Donc, j'ai la parole et mademoiselle Bissaha pour faire la résumé 20. Sismi ou sismi l'association italienne de Nini Mahdi Souen, Anne-Sophie Souen, on vous remercie pour l'invitation, on vous remercie infiniment pour votre présence. Bon, comme vous savez tous, on est là pour célébrer la journée mondiale de la trisomie 21, le 21 mars de chaque année.
le champ d'intervention dans notre profession comme orthophoniste ou autre spécialiste, que ce soit psychologue, éducateur, orthophoniste ou pédopsychiatre, c'est de prendre en charge ces tranches de handicap, que ce soit retard mental ou trisomique ou autiste, c'est de les prendre en charge de l'accueil jusqu'à l'élaboration d'un protocole de rééducation, l'accueil qui se débutera, l'entretien anamnestique qui se fera généralement avec les parents. Après, on fait l'orientation vers autre spécialiste pour qu'on élimine tout trouble sensoriel ou auditif pour s'assurer une meilleure prise en charge. Après, on fait la guidance parentale. Les parents ont quelques conseils, ont quelques guidances. Les professionnels comme orthophonistes ou psychologues ont un travail collaborateur et un travail pluridisciplinaire avec les parents. Ça fait les guidances parentales. On fait l'élaboration, la réalisation d'un protocole de prise en charge. Donc très ravi d'être parmi vous. Donc on est là pour célébrer la journée mondiale de la trisomie 21 de chaque année. Donc on dit Aslamanoun encore une fois. Avant de commencer en tant que le champ d'intervention de l'orthophoniste, dans tous les domaines, dans tous les versants, que ce soit le versant réceptif, que ce soit le versant expressif. Donc, parce que tout à fait normal. Alors, donc, la trisomie 21, nous avons environ de 18 enfants. De 3 ans jusqu'à 30 ans, c'est des trisomiques. Donc, il m'a dit 3 ans, ça veut dire que des séances de la prise en charge pour les orthophonistes. Parce qu'en réalité, la prise en charge, c'est à partir de 5 ans, la saoun. Donc, il s'est fait une tagui à partir de 5 ans. Mais du coup, les enfants de 2 ans, 3 ans, c'est juste pour avoir des séances orthophoniques. Parce qu'à chaque fois que c'est l'intervention d'un orthophoniste précoce, toujours assez une bonne amélioration, toujours les résultats, un fruit sur cette tranche d'âge d'enfant. Donc, l'orthophoniste joue vraiment un rôle très important dans la prise en charge, que ce soit dans le versant réceptif, que ce soit dans le versant expressif. Le quoi dans le versant réceptif, c'est que ce soit il y a la compréhension des consignes simples et complexes, mais le quoi de nous râle kiff à la production, le versant expressif, c'est le langage. Langage agi à chaque fois, à l'orthophoniste à l'âge de 3 ans et demi à l'évidence de la prise en charge. Oui, c'est vrai que la prise en charge débutera toujours précocement. Mais un enfant trisomique, c'est bien à ce de la rééducation depuis un an, deux ans. Pourquoi? Parce que M15 ans, la trisomie, c'est un problème d'hypotonie musculaire. Donc, voilà. Généralement, par exemple, les associations, elles font à partir de 6 mois pour la rééducation. C'est la prise en charge précoce. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une prise en charge précoce, à chaque fois, il y a les résultats mieux pour l'enfant. Maintenir la prise en charge précoce, surtout à partir de 6 mois, c'est de masser les messages buccofaciales. Parce qu'attention, les enfants trisomiques, c'est un problème d'hypotonie musculaire. Parce qu'attention, même les enfants, ça a des problèmes cardiopathie. Attention, les problèmes associés à la trisomie 21. Alors, le rôle de l'orthophoniste, c'est l'intervention des deux versants, réceptif et expressif. Donc, même des guidances parentales pour les mamans. Parce que ce n'est pas facile. Une maman, c'est un enfant trisomique parce qu'elle est venue sur le côté de la physiologie, le facial et tout. Donc, c'est clair et net. Mais, l'acceptation, c'est la trisomie, c'est un retard mental. Parce qu'en réalité, on est là, on n'est pas là que pour célébrer la journée mondiale de la trisomie, mais des personnes en situation de handicap. J'utilise toujours le mot en situation de handicap parce que je me rends des personnes handicapées. Parce que la situation, c'est normal,
il est handicapé mieux qu'un enfant normal. Un enfant, il a de choses, on va utiliser le monnaie en situation de handicap. Parce que la situation Nimskin, il n'arrive pas à gérer même la société n'a. Même la société n'a kiff. Donc, c'est pour ça qu'on a l'acceptation. Une fois la famille va accepter l'enfant ni Mshigila, ça va, même l'enfant ni Adihas, bien Adihas, Adifk, malgré que peut-être là, tu lâches les moyens, qui nous aimerait être en les moyens limités, ça va pas que y a des cas sociaux. Mais une fois la maman, il arrive à accepter l'enfant ni sur l'état psychologique, ça va donner vraiment un rôle magnifique. Durant la prise en charge des enfants trisomiques, néolide, chaque fois, a-t-il une prise en charge précoce, à chaque fois, a-t-il des résultats mieux. Parce que les mamans, par exemple, sont à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, et sont voilà, ils sont parce que tu as une personne qui a la même acceptation. Parce que les mamans, ils sont à accepter. Ils sont à l'accepter. Ils sont à l'accepter. Alors que tu as un peu de il y a tout. Il y a les centres psychopédagogiques, il y a des associations, il y a des cabinets privés, il y a tout. Il y a tous les moyens sont vraiment disponibles pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc le champ d'intervention de l'orthophoniste vraiment joue un rôle très important. Monsieur, déjà même les maîtres de la guidance parentale, un maître de la guidance parentale, on a un groupe de parole avec les mamans, on a avec les parents, ça va donner quand même un petit peu de courage pour continuer, pour travailler avec eux. Parce qu'il y a une classe travailliste, il ne faut surtout pas là. Donc, un travail collaborateur, un maître nous connaît, les orthophonistes, un maître les psychologues, un maître les éducateurs, un maître les parents eux-mêmes. Parce que les pédopsychiatres, bien sûr, les pédopsychiatres jouent un rôle très important. Parce que c'est que les parents, on va utiliser le mot exact, un terme exact, c'est des co-thérapeutes. Les parents, c'est des co-thérapeutes. Parce qu'un parent, mais il accepte Miss, il s'appelle oui, c'est un retard, il casse remarque. Donc effectivement, il est vraiment un fait, lui, très important. Vous voyez le rôle. Donc l'orthophoniste, c'est que. Je ne suis pas là pour chasser l'affaire de l'orthophoniste, parce que c'est vrai, il joue un rôle très important. Par exemple, où il y a de l'art, il s'avère à dire et tout. Donc, l'orthophoniste va me dire ça. C'est vrai que l'orthophoniste, avec une équipe pluridisciplinaire, mais quand même, joue un rôle très important dans la prise en charge précoce. J'insiste toujours le mot la prise en charge précoce. À chaque fois, on va le prendre en charge précocement et on a des résultats. La prise en charge est toujours être à l'âge de 6 mois. 6 mois toujours, il se commence la prise en charge des personnes qui ont la trisomie. Surtout les massages. Parce que c'est un problème. Surtout avec l'hypotonie musculaire, avec l'incontinence salivaire. Oui, Guimara, le champ de la déglutition, problème de déglutition et tout. Donc, d'ailleurs, l'orthophoniste intervient vraiment, vraiment dans la prise en charge. Voilà. Donc, on dîner qui faire à Walio, on dîner à Tekon Saha. Encore une fois, je vais remercier Madame Dr. Siesi, Wadaïsi, et l'équipe de Koudioussan, Mbou Khalfa, Dr. Anan. Zouara, on dîner à Zulf Laoun, à Tekon Saha, à l'Aradia Tsardoum. Donc, en tant que secteur de la solidarité nationale, donc on sait qu'il y a un zèle dans le Coran. Il y a des choses qui sont très importantes, surtout il y a un imadar. Donc, c'est plutôt le 21 mars, donc c'est la journée mondiale de la trisomie. Le 21, c'était le 14 mars, c'est l'imadar. دونك يمكن الواجب في لنا هو كنا الناس نحضر يعني لقديش هي لاسوسياسيون دي بارون دي زونفون هانديكابي د ولايه تيزي وزو يزكان دايا يعني سوق الزين معثقة دونك سيني عطيه الصحة سنار تجميد ثمقرانت يعني لقديش يخدمن c'est pas yani pour la première fois qu'il nous sert, il nous sert déjà. Donc à chaque fois, yani, il y a l'occasion, avec plaisir, de nous faire un peu de temps, et de nous faire un peu de temps.
et en même temps pour partager le moment avec le chien des enfants en situation d'handicap. Donc, c'est le président de l'association Mesbabou, Hamid, c'est une association qui est très active. Donc, il a eu l'intention en prenant en charge plus de 1000 enfants en milieu institutionnel, des centres spécialisés, les classes spéciales. Donc, parmi les établissements spécialisés, les centres spécialisés, qui sont gérés par le mouvement associatif et des Ganakan Kultaman, Glawilain Nord, Bourni. Donc, ils font un très bon travail. Donc, le pouvoir public, on est là, c'est pour les encourager, c'est pour les accompagner. Donc, les psychologues, les représentants des associations, des clients, qui nous ont berbert, ils viennent. Par la télévision et des années d'ailleurs, sur le Nil. Nous avons d'autres invités, les élus locaux, les élus de la PUI, M. Benhamla, dans le Nil. Donc, aussi, il y a nos spécialistes, des psychologues, qui sont en tant que secteur de l'action sociale et de la solidarité. On gère aussi des établissements. Donc, il y a tout ça de chef de service pédagogique d'Irzan, le centre Boukhalfa, qui a participé avec une communication aussi pour s'échanger des expériences, étant donné même à la Chayik, le Madilin, le centre Boukhalfa. Donc, c'était des internes, donc avec l'ouverture de ce centre allemand, Inch'Allah, surtout en matière de déplacements, transport, mais d'ailleurs, sur place, et ça va permettre aussi de prendre en charge même les enfants, les régions ailleurs, ils disent qu'ils donc, on est là, c'est pour les encourager par rapport à l'achat, et aussi par rapport donc, aussi, c'est pour que je les invite à travailler davantage et de s'échanger des expériences avec d'autres établissements spécialisés, notamment les établissements sous tutelle. Aimable assistance, monsieur le directeur d'action sociale, les associations, les différents acteurs, différents thérapeutes, on vous remercie pour ce moment de partage, des expériences conviviales. Je remercie Thérène qui nous a donné cette chance d'être là. Et je les félicite aussi par rapport à tout le travail qui a été fait. Monsieur Babou, il était pertinent dans la prise en charge, pertinent par rapport à une prise en charge multidisciplinaire, où on a remarqué qu'il y a différents acteurs qui participent. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu une réflexion hier. J'ai un message par rapport à la trisomie 21, à l'occasion de cette journée. Ils m'ont sollicité, Ithren, ainsi qu'une équipe pertinente qui est avec moi, Dr Siassi, il y a Selmi, il y a Lanabi, et c'est des gens de terrain. On a travaillé beaucoup dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je dirais? De quoi souffre le trisomique 21? Je me suis dit, c'est ça. Il souffre des regards des gens. C'est le problème de tes amis. C'est le regard des gens.
Il y a une étude en Angleterre, ils ont pris une centaine de femmes enceintes chez qui on suspectait un enfant trisomique. Candiro Louikaya ou dépistage. Ils ont fait des prélèvements de liquide amniotique pour certaines, et d'autres, ils ont fait des prélèvements de sang fœtal pour chercher l'ADN, pour faire l'étude d'ADN et chercher et voir le karyotype. Deux tiers, parmi les 100 femmes enceintes, deux tiers ont demandé un avortement. Mais je trouve que Magalit Kenjou, c'est vraiment un problème de regard, d'acceptation. Elle a insisté sur le mot acceptation. Et aux États-Unis, la même chose. Ils ont fait des prélèvements chez des femmes enceintes. Le gars, 90% refuse de continuer cette grossesse. Interruption de grossesse. C'est 90% des femmes parturientes enceintes. Mais je trouve l'image de l'autre, comment elle est blessante. Et tout ça va être la décadence de la souffrance. De là va démarrer la décadence et la souffrance de l'enfant qui n'a rien demandé, qui est innocent. Jed Dnihadi, qui met un autiste, qui met 2021. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. À un certain moment, ce n'est plus une maladie. La direction de l'action sociale, ou le ministère de l'action sociale, et certains ministères, ils ont compris. Mais nous, les thérapeutes, nous comprenons. L'autiste, c'est une en charge multidisciplinaire. C'est-à-dire, nous allons travailler avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de Il y aura au moins 5 ministères qui vont intervenir. Et plus tard, peut-être dans un avenir proche, tous les cas, des conventions interministérielles. Parce que quand je vais former des éducatrices ou des psychologues, ou les psychomotriciens, ce sont des ministères différents. Kul wizara ra yitformi. Wizara ta'lim ali ra yitkharaj des médecins, yitkharaj des psychologues, la solidarité ami kharjou les psychomotriciens, les éducatrices, etc. Les ergothérapeutes ami kharjou l'école paramédicale ta l'USND, qui c'est qui va de faire la demande? Chhal sakhou des éducateurs, des psychomotriciens. Qui c'est qui va les recruter, qui c'est qui va les former? Parce que l'éducatrice qui travaille dans le lycée ou qui travaille dans l'école primaire, c'est kif-kif. L'éducatrice qui travaille dans l'hôpital, c'est kif-kif. Enfin, pour dire un petit peu la complexité de la chose, il reste le côté psychologique d'un enfant. Il y a une blessure narcissique. Peut-être Selmi va en parler. Ken, le regard des autres, pourquoi? Parce que il y a un problème de resocialisation aussi. C'est pour ça que M. Babou, il te parle de jardinage, il nous parle d'excursion et de promenade. Il y a des images dans le monde, dans la famille, dans la vie. Voilà. Et de là se découle le projet qu'on peut faire pour l'enfant, tout ça. Donc l'enfant, il est étiqueté, c'est à cause de la morphologie terme. Je vais vous dire un cours. L'enfant de 2021, qui est un mongolien, qui a été retiré du mot récemment, a la physionomie de l'enfant. Pourquoi? Il a un rasso, il est spécifique, il est spécial. Pourquoi? Parce qu'il a des maladies. Il se plaint de maladies, bon, la morphologie qui est due au problème génétique, et l'hypothyroïdie, les cardiopathies, ou le côté cognitif, il peut avoir un retard mental qui est coté de 20 à 80%. Qui te connaît les 80%, alors il est le site. Il est dans l'école normale, s'il est à 70-80. Mais s'il est à 20, c'est un autre projet. Il y a un temps de latence à répondre aux questions. C'est pour ça que je vais vous faire le madrasa. Ils ont des troubles de la mémoire. Ils ont des troubles du langage, des troubles du développement du langage qu'elle a souligné Kenzo. Donc, je trouve à partir d'un problème de morphologie, on a des problèmes psychologiques, orthophoniques, etc., etc. Donc, ça donne un petit peu une idée de quoi souffre le trisomique 21. Il y aura d'autres acteurs qui vont intervenir. Mais je vous remercie. Merci. 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 Merci.
ونينا مرحبا يسون دوك لينا ان شاء الله افوس ديك فوس تاعكم تاتبسوس اقرانا نخدم زقولنا هذه ولتاجي افخار ديسان نخدم القرايه القرضه رومي القلارب المنطقه نخدم سبور نخدم زقولنا يعني ان شاء الله نياجف الحال ونياجف اوفو ان شاء الله ونين يا مرحبا يسون افريد ويسين اللي زان في تاعتكم الصحه اصلا عرضنا اعطيكم الصحه تسمي دو سما دي ولتاجي لمبير تي في اعطيكم الصحه يا زيت لاغينايا يسبول دبان سيس إنا يا بوك فايا أكيد نسفا يسميس كل الهم دي فرفا أطفال يزيدوك يتدرين تزين يس الحارة نفرح يس نتيت خيرا أنك أنا ريك تغريفين أسقو ساقي دايما ينوت فرح نيسك فرح نفرح يس نفرح نيس يمازي غد من عاون صحال لهنا أتصور موك آيان سلام شيخ محمد الحسين اللي هو فاض ولا شيت يلون اللي هو فاض يلون امزوني لون ولا شيت نتيلون جاب يخدم ياتف اشحال السنين يغم مسكين سيد مورتيس ثبوت باكيطر مورت مدن يخدم يخدم اسمي ديوال اللي مسكين اللي يشرقوديس هي اخر الراوس اي مسكين سير الموت مسكين ادقوين ريبد وتكرا ناداشن اللي يضوح له قاني اصوح له قايلان علاش هدينا يعطيكم الصحة ولي بارك يا ربي زولف لاون سي مدام لنا بي صبرينا اورتوفونيست او نيفو دو لا بيدوبسيكاتري و دي سي تي زي وزو لي تزوارا سيني لاسوسياسيون اثراني يعطيكم الصحة في العرض هاكي تفكا مغ لوكازيون ان بارطاجي دون لي كونيسونس نا دون لو دومين دو لا تريزومي 21 دي تزوارا نكوني ا نوتر نيفو فاي سي دو فوز اكسبليكي كو ميم لاكتيفيتي نا او نيفو دو لا بيدوبسيكاتري و دي سي سور لو بلون اورتوفونيك نا دي لا كونسلطاسيون اورتوفونيك نورو بسيكولوجيك اون ايساي دو بروندر ان شارج لي ديفيكولتي دو langage chez l'enfant. Tma ayn yani nhdara l'enfant ayn yani les difficultés de langage. On essaye de prendre en charge les chagi madili mziata à partir de 6 mois on peut commencer la prise en charge. En galtiratima ou les snini awi mdaraounoun ana très très précoce. À l'âge de 6 mois on peut commencer une prise en charge. Cela on essaye de faire l'évaluation donc pour avoir un profil de l'enfant yagi katan wi les capacités et puis on lance une prise en charge. De la prise en charge la prise en charge si un gardarin et les établissements ils ne signent rien quand même de la prise en charge je veux dire si on est vraiment dépassé ça presque ça atteint les enfants en difficulté atteint les problématiques atteint les pathologies on essaye ici même qui est impliqué de la prise en charge de prendre en charge les enfants et guider la périphérie d'un chèque de nini et tout ça دونك فزوارا غدار تاجبل تم راح انت لاسوسياسيون اثنان اللي دهقال تذول تاكي بوساكي وسفوكل لو ساكي رغلا اللي طريزومي 21 ايدي تسنيا 21 مارس دونك سي نعطيكم صحي القضيه تخدمهم زين ولا القضيه ام قراح زين صفراح لا تسطاس دافوار سونتر ما كي ذاكي دونك دار تاجبل تسكر بوكاد في كان كو فوس المعاونه فوس تل تي هو كنا ديكزيستي السونتر كي ام بعد لا بي سي ام بعد لا بي وي ام بعد لا داس ام بعد لي زوتوريتي لوكال ام بعد لي بيانفيتور سي نعطيكم صحه ان شاء الله هاي المزمر نخدم يوكن اسنرني احنا شاكيني معذار ادكرا في غري ايما ولا سكر بولي ساعه معذور الى قرا دي استهزي ذكس الى قات يطفل بريزون شارجي سكيل لم زي مشاكل لي سعاري غفلا لزداد دونك نسوري لانتيغراسيون سوسيال او سان دو لا فامي وقفلت لي لانتيغراسيون او سان دو لا سوسيتي وكن وين بي ار تي في الفري ديال فيك التكبا احريشي وكن ادري لي ايني غي شوفن ايني لان او نعطيكم الصحه دونك ان شاء الله بسم الله ربي سواحد الخير هذه رفدي ربي في لاشد ان شاء الله On a répondu à l'invitation de l'association Ithéraine aujourd'hui pour l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21. Donc je salue énormément leurs efforts, surtout en travaillant auprès de ces handicapés mentaux, donc, avec les moyens dérisoires qu'ils ont. Donc nous aussi, le HSWED ici, on dispose d'une équipe vraiment très, très, très qualifiée, mais malheureusement avec la charge et la demande qui est vraiment, on est vraiment très trop submergé par la demande des enfants et des parents, ce qui fait on aurait souhaité avoir dans notre wilaya de plus de centres qui s'occuperont de ces handicapés mentaux, que ce soit donc surtout les enfants autistes.
puisque dans la wilaya de Tizi Ouzou actuellement, on ne dispose pas d'un centre donc étatique qui prend en charge les enfants autistes. Ce qui est célébré la journée mondiale sur la trisomie 21, on a invité Invgaoun Lharma, l'association qui donne les mouvements les trisomies. On a invité l'hôpital psychiatrique de Ouadassi. Nous avons eu le DAS car on a visité le centre à Sénat de Saha. À Sénat de Saha, il a pu oui, Smaïd Benhamna Youssef de Kéarna. Donc, c'est nous qui avons eu du sein ou les activités ou le centre. Nous avons eu le temps pendant ce que nous avons eu le temps de faire des litres. Donc, à Sénat de Saha, on a eu le temps de faire des litres. ني كل يورش لتريزوميك لشل مونديال كنش فارب إن شاء الله ذي فرخ الجنة تكون وي يسوضن ولا نكون الجنة بارك الله فيكم. Mon message qui ne sert que la journée mondiale trisomie 21 juste pour dire que les trisomiques souffrent du regard des autres et c'est à partir de là qu'il y a eu d'autres souffrances, des souffrances psychologiques à cause de sa physionomie, à cause de son faciès qu'il n'a pas choisi, il est stigmatisé. Et à cause de ses troubles cognitifs, ses troubles de la mémoire, il est aussi écarté des écoles générales, etc. Donc, c'est le regard des gens c'est qu'il faut faire un travail sur cette manière de percevoir celui qui est un peu différent de nous. Voilà. Et je vous remercie.